En match entre deux équipes qui jouaient de formes différentes. Monaco a essayé de jouer et de contrôler les matchs. Après, à travers la possession de ballon. Et Bordeaux a essayé de jouer les contre-attaques. Et qu'on peu de situations, occasion de but pour les deux équipes. On s'est pas régalé, quoi, c'était pas un super match. Oui, n'est pas un super match. Ce sont deux formes différentes de jouer. Comme je vous dis, la situation de but, un, deux pour chaque équipe. C'était une bonne occasion de revenir sur les trois de devant. Est-ce que vous y croyez encore? Oui, toujours, c'est une bonne occasion pour remonter le classement. Aujourd'hui, n'est pas possible. Nous essayons de faire le tour de situation. Nous faisons entrer les joueurs plus offensifs, nous donner plus de profondeur pour le couloir, mais gauche. Mais aujourd'hui, n'est pas possible. Vous parlez d'un problème de forme, enfin, une question de forme, c'est quoi? C'est parce que c'est le début de l'année, il nous faut un petit peu de temps après la trêve, après la coupure. Non, je pense que ce n'est pas une situation de forme. Aujourd'hui, l'équipe est proche de la qualité et du travail physique. C'est normal qu'il joue, l'adversaire aussi. C'est difficile toujours jouer contre un adversaire qui s'est formé. Pour nous, c'est plus difficile jouer tous les jours, tous les matchs avec la possession du ballon et l'adversaire jouer contre le contre. C'est plus facile jouer contre le contre. J'ai vu ça beaucoup de fois. Oui, c'est vrai. C'est une situation que nous regardons beaucoup de fois cette saison. C'est plus difficile pour nous jouer contre la possession, contre beaucoup de situations, contre l'équipe, contre beaucoup de joueurs offensifs. Et l'adversaire, contre la ligne défensive très bas. Et c'est difficile pour nous gagner les situations et espace pour notre combinaison. Oui, peut-être différentes situations, peut-être plus de présence. Plus de présence. Plus de présence place aux forces. Normalement, cet match, tout besoin d'un attaquant, c'est plus fort pour les duels, pour la surface. Vous regardez, l'équipe n'a pas gagné, fait beaucoup de corners, beaucoup de coups francs, beaucoup de centres. Et il n'est pas gagné dentro de la surface le duel. Oui, je pense qu'on a fait un bon match. C'est un match normal. Et je pense qu'il tient la possibilité de faire meilleur, comme toute l'équipe. Martial, il vient jouer. 5-6 matchs de filet. Mais comme je vous dis, mon attaquant a besoin de faire but. Vous restez invaincu. Est-ce que ça entretient la dynamique quand même ou c'est quand même un arrêt? Non, les dynamiques, c'est la même. Parce que la difficulté, ce sont différents. Comme je vous dis beaucoup de fois ici pour la maison, c'est difficile de jouer contre l'équipe qui vient ici, ferme beaucoup et seulement joue de contre-attaque. Et ça, c'est pour nous un peu difficile, mais nous avons besoin de jouer plus vite, qu'on améliore qualité de la décision, pour que cette match, tout besoin de qualité pour la décision.
La décision, c'est très important. Les décisions de qualité pour les dernières 20 mètres. Et ça, aujourd'hui, l'équipe n'est pas non construit. N'a pas réussi. Merci. Merci. Oui, enfin, il n'y a pas eu que le poteau. Si on s'en tient strictement aux statistiques, on a quand même beaucoup plus de tirs que Monaco ce soir. On joue face à une équipe à domicile qui était quasiment avec Lyon la meilleure équipe des quatre dernières semaines de compétition. Je dirais si on s'en tient à l'analyse des stats, on peut peut-être être frustré, mais voilà, par rapport nous, à notre contexte actuel, c'est un bon point. Ça confirme la qualification en Coupe de la Ligue. C'est un début d'année plutôt en Coupe de France. C'est un début d'année plutôt satisfaisant. Oui, on repart sur de bonnes bases. Après, on sait que l'équilibre est fragile et on peut basculer d'un côté comme de l'autre. Donc, on est en difficulté, on sait qu'on sera en difficulté tout le mois de janvier, mais vous pouvez compter sur mon équipe pour s'accrocher. À défaut de réaliser des grands matchs, en tout cas on va réaliser des matchs où on va tout donner. Il y a un écart qui est fait quand même avec les quatre premières places là, ce soir. C'est peut-être le plus regrettable finalement pour la soirée. Non, pas forcément. Je pense que nous, ce qui est regrettable pour nous, c'est d'avoir raté notre mois de décembre avec les défaites à Nantes et face à Lyon. L'écart, on perd 2 points aujourd'hui sur ceux de devant, mais l'écart, c'est surtout au mois de décembre qui s'est creusé. Aujourd'hui, on rentre peut-être dans une deuxième phase avec, je dirais, plusieurs championnats dans le championnat. On va laisser les gros se battre pour les belles places et puis nous, on essaiera de, comme on essaye de le faire depuis le début de saison, de tout donner. Après, ça reste du foot, c'est pas une science exacte, mais ça n'empêche pas qu'on aura toujours des ambitions dans ce championnat. Et des joueurs aussi qui est en manque de temps de jeu, on a senti qu'il manque un peu de rythme aussi. Vous espérez que ça va venir? Ben, on espère, oui. On espère parce qu'on voilà, on a un effectif qui s'est extrêmement amoindri ces derniers jours et on a besoin de tout le monde et on a besoin de tout le monde dans un état physique je dirais satisfaisant pour jouer en première division. Et quand on voit votre banc, on se dit vous touchez l'os, quoi. Est-ce que vous pouvez tirer mieux sans renfort ou en attendant la canne? C'est quoi le mois qui arrive? De toute façon, bon, des renforts il y en aura. Même avec les renforts, de toute façon on sait que ça sera compliqué. Et on sait voilà, que c'est un mois de janvier qu'il faut, il faut tout faire, il faut tout donner pour essayer d'avoir des jours meilleurs avec le retour de nos internationaux. Il a déjà joué à ce poste-là. Mais parfois, voilà, c'est comme ce soir, pour un entraîneur, entre guillemets, c'est un match facile parce que les choix, de toute façon, sont dictés par ce qui se passe sur le terrain et on ne fait pas forcément des choix tactiques, mais c'est souvent des choix par obligation. J'espère pas. Mariano a peut-être une petite entorse à la cheville, mais il a fini le match en serrant les dents. Ça montre l'état d'esprit aussi des joueurs qui veulent aller au bout d'eux-mêmes. Mariano devant, pas sur l'aile, on avait déjà vu en cours de match à Lille.
Ouais. Bah on sait que Mariano, c'est un joueur qui est plutôt à l'aise en phase offensive. Après, c'est pas un ailier type qui va aller déborder avec des dribbles. Il peut déborder sur des courses, mais pas sur des dribbles. Mais là, voilà, le côté droit a été satisfaisant aujourd'hui avec Julien Faubert. On a su ce qui était important surtout, c'était de contenir les assauts de Carrasco et Ocampos, qu'on a plutôt bien réussi à faire. Pendant un mois, ça va être le visage de Bordeaux, c'est voilà, essayer d'être solidaire. Mais c'est bien d'avoir plusieurs visages. Forcément, on n'abandonne pas nos ambitions de vouloir produire du jeu, ce qu'on a fait sur une bonne partie de la première partie de championnat. Mais parfois, il faut savoir faire le dos rond, avoir d'autres priorités pour continuer à engranger des points. Oui, en tant que Français, qu'est-ce que vous avez pensé de la mobilisation aujourd'hui dans tout le pays ? Bon, on peut qu'être touché. On peut qu'être touché. C'est bien. Souvent, tout est en France, malheureusement, souvent tout est politisé. Et pour une fois, la politique avait. Il n'y avait pas de politique. C'était les Français qui voulaient montrer leur solidarité, qui voulaient faire bloc, qui voulaient faire face. Et c'est touchant parce que finalement quand on entend souvent à l'étranger certains préjugés sur les Français, finalement on se dit que non, on peut être un peuple aussi qui sait se rassembler quand il le faut. Merci à vous.